Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Là je vous retrouve sur Red Dead Redemption 2 pour une toute nouvelle astuce, un tout nouveau spot. Vous allez trop aimer les amis, c'est un spot de malade. Vous allez trouver énormément de poissons et il y a des saumons rouges, donc les poissons les plus chers du jeu. En petits poissons. Ben là vous arrivez à cet endroit, vous sortez la canne à pêche. Je vais déjà vous montrer avant et après je vais vous montrer où c'est sur la carte. Donc là je viens de sortir la canne à pêche et vous prenez votre fusil à petit gibier. Comme ça quand vous tirez sur les poissons, vous les avez à 3 étoiles. Donc ça c'est cool. Donc là vous voyez, je viens de tuer un gros. Et là vous voyez les saumons rouges, 2,50 € le saumon. Donc là vous allez kiffer les amis. Donc là je tue les saumons et je les récupère. Donc c'est vraiment un spot de malade les amis. À chaque fois que vous allez sortir votre canne à pêche, il va y avoir des poissons qui va spawn. Et il y a tout le temps énormément de poissons. Il y a des gros poissons comme ça à 8 $, comme je viens de mettre sur mon cheval. Et il y a des saumons rouges, il y a des brochets. Il y a vraiment presque que des bons poissons quoi. Donc là vous faites quoi? Quand il n'y a plus de poissons, vous faites quoi? Vous sortez votre canne à pêche comme je viens de faire là. Après vous la ressortez, vous l'enlevez. Et vous allez dans l'eau et vous tirez dans l'eau pour leur faire peur. Voilà, comme ça. Vous voyez, ils ont tous peur. Ils vont au bord de l'eau. Vous pouvez aussi les tuer un par un en tirant dessus, mais si vous leur faites peur d'un coup, il y aura beaucoup plus de poissons qui va aller au bord de l'eau. Donc vous allez en tuer beaucoup plus en un coup, quoi. Pour être le plus rapide possible. Donc là, je récupère les poissons qui sont allés hors de l'eau. Donc je vais vous montrer, ça se situe ici sur la carte. Juste au-dessus de Valentine. Donc juste à côté de la bouchée. Donc là, je fais quoi? Je ressors ma canne à pêche. Donc là, vous voyez les poissons? Hop, dans l'eau. Vous faites quoi? Vous allez loin dans l'eau. Vous sortez votre fusil. Vous leur faites peur. Comme ça, ils se rapprochent là-bas. Et là, ceux-là, vous pouvez les tuer dans l'eau. C'est ça qui est bien avec le fusil petit gibier. Donc là, j'ai tué des gros poissons. Mais je pourrais pas les récupérer, ceux-là. Parce que j'ai pas plusieurs chevals. Il faudrait ramener une charrette. Où vous mettez tous les gros poissons à l'intérieur. Ça vous ferait beaucoup plus d'argent. Donc là, je viens de retuer un saumon. Saumon rouge. Donc là, vous sortez votre canne à pêche, vous bougez. Et il y a des poissons qui vont respawn. Donc là j'essaie de faire peur aux poissons. Donc là je ressors ma canne à pêche. Et je vais au bout, juste là au bord. Et je pêche un coup. Ça va rattirer les poissons en fait. Vous faites quelques lancers, deux ou trois lancers, et après les poissons ils vont réapparaître. Vous aurez juste à aller dans l'eau, leur faire peur comme je vous ai montré, et récupérer les poissons.
Donc c'est vraiment un hyper bon spot. Vraiment, j'ai été surpris. En pas longtemps, vous allez vous faire taquet de thunes. Vous allez vous faire à peu près 40 dollars en 6 minutes. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, vous avez vu tous les poissons qui ont réapparu? Parce que j'ai sorti ma canne à pêche. Donc là, je leur fais peur. Là, j'en tue quelques-uns dans l'eau. Parce que des fois, il y a des poissons qui bougent pas dans l'eau. Donc du coup, vous pouvez les tuer facilement. Regardez comme lui. Comme lui aussi, tu vois. Tu vois, il bouge pas dans l'eau. Donc du coup, tu peux le tuer facilement, quoi. Donc c'est bien parce qu'il y a plusieurs variétés de poissons. Donc ça c'est vraiment cool. Parce que des fois il y a des endroits où il n'y a qu'une variété de poissons et puis vous pouvez en prendre que genre 10 dans votre inventaire. Mais là, vu que c'est des variétés différentes, et ben vous pouvez avoir énormément de poissons. En très peu de temps. Et en plus vous êtes près d'un boucher. Donc ça c'est pas mal cool. Vous allez vraiment pas mettre longtemps à aller au boucher. Donc là, je ramasse des perches. Donc les perches, c'est les poissons bleus. Ils sont un peu couleur bleue. Donc là, il y a encore des poissons. Donc je vais encore en tuer. C'est bien quand ils bougent pas comme ça. Vous avez juste à viser et tirer. C'est vraiment très très rapide, très simple et efficace en plus. Donc là, je vais aller au boucher de Valentine qui est juste en bas, juste ici. Donc voilà, là j'arrive au boucher. Donc je vais vendre mes poissons. C'est surtout les saumons rouges qui valent le coup. Donc là, vous voyez, c'est tous des poissons à 1 $. Après les saumons rouges, 2,50 $. Merci à tous ceux qui regardent ma vidéo et abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis!